Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être au sein de The Family, une société d'investissement dédiée aux startups technologiques, avec la présence de Oussama Ammar, son cofondateur. Nous allons profiter de cette rencontre pour vous proposer une série d'entretiens autour des nouvelles technologies. Bonjour Oussama. Merci de nous avoir accueillis. Donc, tu commences à coder à l'âge de 12 ans, puis tu développes à l'âge de 16 ans un site web d'antiquité que tu revends. Puis en 10 ans, tu fondes à peu près 3 entreprises. Et enfin, tu as fondé The Family, qui est une société d'investissement dédiée aux startups. Alors, tu as grandi et tu as étudié en banlieue de Tours, dans une ZEP. Si j'ai bien compris, est-ce que tu peux nous expliquer comment et en quoi on peut aussi entreprendre en venant de banlieue? Alors, c'est un sujet intéressant. J'ai eu les deux, moi. J'ai passé ma primaire dans une primaire, on va dire, assez difficile et assez folklorique. Moi, quand j'étais en primaire, il y avait des chaises qui volaient dans la classe. C'était la norme. Ça surprenait Bronx. plus personne. Il y avait des élèves qui avaient redoublé tellement de fois qu'ils faisaient quatre têtes de plus que tout le monde. C'était l'ambiance. Et alors, je suis un grand privilégié parce que j'ai fait mon collège et mon lycée dans les endroits les plus huppés de la ville. Euh, D'accord. parce que j'étais un bon élève, que ma mère, qui faisait des ménages, s'est fait pistonner dans les cartes, etc. Elle a tout compris. Et donc, j'ai été sorti de ça. Tout en continuant à vivre dans ce quartier et tout en grandissant dans un HLM. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu dans un HLM. D'accord. Même si j'ai gagné ma vie très tôt et j'ai commencé à gagner de l'argent très tôt, ma famille et ma mère n'ont jamais touché à cet argent. Donc ça n'a jamais rien changé à ma vie, en fait. Euh, D'accord. avant que je puisse avoir 18 ans et que je puisse commencer à dépenser cet argent librement. Et donc voilà, donc j'ai un rapport un peu particulier. Et tu as, excuse-moi de t'interrompre, même une expérience où tu avais développé un site internet pour un client chez qui ta mère Me faisait faisait le le ménage, ménage exactement. et qui a reçu directement ensuite le paiement, en fait le salaire, Exactement, qui a exactement, permis de doubler ou de tripler le salaire de ta maman. ma mère gagnait 2000 francs par mois et c'était 6 000, donc Non. effectivement, ça crée des vocations, en fait. Le sujet, c'est que quand on est dans ces milieux-là, il y a trois choses. La première chose, c'est qu'il y a une très 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 grande forme de culpabilité mélangée à la jalousie. Qu'on le pense ou pas, c'est quand même, on peut dire ce qu'on veut sur les banlieues, sur le problème des banlieues, sur les gens qui y vivent. Il y a deux choses. Il y a les mecs qui réussissent, en général, rompent avec ce milieu. Parce qu'il développe une forme de culpabilité énorme. Genre, pourquoi je suis sorti par la porte de devant quand tout le monde sort par la porte de derrière? C'est un vrai sujet. La deuxième chose, c'est qu'en plus, cette culpabilité est de l'autre côté, évidemment, entretenue par une jalousie qui est toujours les autres qui réussissent, il faut être pistonné, il faut être machin, etc. Alors, est-ce qu'on est dans un pays parfait, qui a une ascension sociale incroyable, qui est facile, etc.? Absolument pas. Les élites de ce pays ont à peu près toutes la même tête, c'est pas pour rien. Je m'appelle Oussama. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a subi des remarques, des machins, etc., enfin, je suis plutôt dans le top 10. J'en ai jamais, jamais, jamais souffert pour une raison très simple. C'est que j'ai toujours considéré que la distance entre ce que j'avais envie de faire et ce que je pouvais faire était simplement mon travail. Et ça, c'est un message qu'on passe assez peu. C'est que le monde, il a changé. Je pense qu'être il y a 20 ans dans une banlieue, si c'était il y a 20 ans, je ne serais pas devenu Oussama Ammar, je n'aurais pas voyagé dans le monde, je n'aurais pas créé The Family. Parce qu'il y a 20 ans, il fallait, si je voulais réussir, qu'un type me prenne sous son aile et que ça devienne une opération d'ascension sociale et une opération de respect en mode « Ah bah petit, tu viens de là, on a besoin de diversité, tu Ça seras tombe notre bien. excuse de diversité. » Il s'est passé un truc très très dingue, c'est que l'Internet a permis à des gens de pouvoir être qui ils veulent derrière leur ordinateur. Moi, je m'appelais Oussama, j'avais 14 ans, j'étais dans un HLM, et par ICQ, j'avais des gens à travers le monde qui travaillaient pour moi, et personne ne m'a jamais demandé qui j'étais.
Et j'en ai jamais parlé, et je ne l'ai pas vécu comme un drame, parce que je ne me suis pas mis en mode on ne reconnaît pas mes origines, je ne sais pas quoi. J'ai toujours été cool par rapport à ça, j'ai toujours été obsédé que par le travail, et par le résultat qu'on produit dans le travail. Et cette éthique a fait qu'en fait, y a un moment, les gens ne se rendaient même plus compte en fait, que je m'appelais Oussama. Ouais. Et ce n'était plus un sujet. L'autre point, c'est que c'est possible parce que l'Internet permet aux gens de fabriquer ce qu'ils veulent, d'apprendre ce qu'ils veulent. Et on est passé d'un monde où savoir les choses, ça supposait connaître des gens. Mmh. Et on est passé dans d'un monde où qui tu connais est plus important que ce que tu sais, à un monde où qui tu connais, tout le monde s'en balance, mais en plus, ce que tu sais pas est disponible sur Google. Ouais. Et ça, c'est une chance. Les barrières ne sont plus que dans la tête. Ouais. Les barrières ne sont plus que dans la tête. Apprendre à programmer, ça se fait facilement en ligne. Apprendre à fabriquer des choses, ça se fait en ligne. Et on n'imagine pas à quel point l'ordinateur est un instrument de libération. Et avoir un ordinateur, ça coûte plus cher. Enfin, moi, je me souviens comment j'ai eu mon premier ordinateur. On peut travailler, on peut. Et comment j'ai eu mon deuxième ordinateur, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Le taux de pénétration des ordinateurs, etc., est très élevé. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'en faire et à quel point on y croit et à quel point on a envie d'être débrouillard. Et maintenant, être entrepreneur en banlieue, c'est partir, je pense, si on comprend ça, avec beaucoup d'avantages comparatifs. Parce qu'on apprend, des choses, en fait, dans les banlieues. Mmh. Moi, quand j'étais petit, j'avais. Alors, évidemment, j'avais tous ces petits caïds là, qui cassaient les pieds de tout le monde. Ils ne cassaient jamais les pieds. Parce que la vérité, c'est que quand ils venaient taper le petit, y avait tous les petits qui se laissaient frapper. Puis il y avait ceux qui, même s'ils en prenaient plein la tête, ils se défendaient tellement qu'ils se disaient trop fatigant d'aller le faire chez lui. Et ça laisse des marques. Moi je pense que dans les affaires, il y a des moments où il faut se battre. Il faut être là. Ouais. Et forcément, ces gens-là, ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est soit je réussis dans les affaires, soit je retourne à ma barre de béton. Ouais. La deuxième chose, c'est que venir de banlieue, c'est un problème en France. Ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. On n'est pas dans le pays le plus ouvert du monde. Mais on peut vivre en France et agir dans le monde entier et donc par là même améliorer la France. Parce qu'après tout, on est là, on ne va pas partir ailleurs. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce pays, je me sens bien. J'ai envie un jour d'avoir des enfants ici. Mais jamais, à chaque fois qu'il y a eu une difficulté en France, j'ai été fabriqué autre chose ailleurs. Et à Hong Kong, aux États-Unis, en Angleterre, etc., ils s'en contrebalancent. D'où tu viens ? La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais ? What are you doing ? Et ça, encore une fois, on peut être au fin fond d'une banlieue et après, grâce à Internet, avoir accès au monde entier. Et c'est qu'une question de travail et c'est qu'une question de rentrer dans le bon cycle. Ça prend du temps. Moi, mon premier site Internet que j'ai fait, il était pourri. Il fallait attendre le 10e pour qu'il soit bien. Mais simplement prendre cette vague et tous les jours faire des progrès et tous les jours faire des trucs, c'est cette mentalité d'espoir qu'il faut réinstaurer. Et alors, je ne sais pas comment il faut faire. Est-ce qu'il faut des rôles modèles? Est-ce qu'il faut envoyer des gens parler aux gosses là-bas? Est-ce qu'il faut leur faire tous regarder The Social Network? Je ne sais pas vraiment. C'est un peu aussi l'objectif. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais si je peux passer un message, c'est que vraiment toutes ces excuses de « c'est pas possible, en fait c'est pour les autres », etc., personne ne peut le dire légitimement, mais c'est de leur faute. Ouais. Et je pense que moi, j'ai la chance d'être prof à Sciences Po. Ouais. Je vois ces histoires de conventions ZEP. Je trouve que c'est incroyable ce truc. Et je le vois bien. Moi, la première année que j'ai eu affaire à un mentoring de conventions ZEP, je m'étais dit, je vais lui faire un programme de travail, machin, etc. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il était meilleur que moi. J'avais rien besoin de faire travailler. Ouais. Et au concours, il s'est complètement rétamé. Et j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Et la deuxième année, j'ai compris. La deuxième année, j'ai rien fait. J'ai pas fait de programme de travail, j'ai rien fait. Je l'ai juste pris une fois par semaine dans des bars avec mes potes qui avaient fait Sciences Po. Puis un jour, le mec, il a craché le morceau. Il m'a dit, mais la vérité, c'est ça les mecs qui ont fait Sciences Po. Mais c'est pas du tout des oufs, en fait. Je me souviens toute ma vie de cette phrase. Et il a explosé le concours. Ouais, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, la distance, elle n'était pas là où il croyait. Et comme les gens se projettent des trucs, font des fantasmes, ils s'entretiennent. En plus, c'est vachement entretenu par un milieu fermé, etc. On revient aux barrières d'esprit que tu disais. Il y a une seule chose à faire, se libérer la tête, s'ouvrir à l'Internet.
Et c'est une réponse bien plus sympathique que plein de réponses qui peuvent prospérer dans ces banlieues. Et il y a plein d'opportunités. Puis il y a plein d'opportunités que seuls ces gens-là peuvent comprendre. Alors justement, lesquelles ? Je sais pas, par exemple, que ce soit les opportunités confessionnelles, il y en a plein. Il y a plein de bons business à faire là-dedans. Absolument. Et ils ne peuvent pas être compris par des gens qui ne sont pas de ces confessions-là, quelle que soit la confession d'ailleurs. Il y a plein d'opportunités orientées vers les loisirs d'un nouveau genre. Il y a plein d'opportunités orienté sur offrir à des gens qui n'en ont pas les moyens des services de gens qui en ont les moyens. Cette grande dégradation et de démocratisation de la plupart des choses, c'est quelque chose d'incroyable. Les voyages groupés, ça devrait être né dans les banlieues. Groupon, ça devrait être né dans les banlieues. C'est des milieux où, en plus, il y a un bouche à oreille énorme. Il y a une culture énorme. Il y a plein de terreaux hyper positifs. Mais à force d'attendre des solutions qui viennent de dehors, ça n'avancera jamais. Aucune solution ne viendra de dehors. Les gens, même avec toute la sincérité du monde, même avec le cœur sur la main, qui veulent aider les banlieues, ne pourront jamais aider les banlieues si les banlieues elles-mêmes ne s'aident pas. Et c'est ça le sujet. Absolument. Et c'est le seul sujet. Et alors moi, j'ai honte d'avoir pendant des années... eu beaucoup, beaucoup de mal à parler avec ce milieu-là parce que j'en sortais et j'avais l'impression que la seule façon de vraiment décoller, c'était de rompre. Je suis beaucoup plus cool maintenant, 15 ans après, avec ça qu'au début. Et je regrette que personne ne m'ait expliqué « Keep cool, guy, on va pas te voler. » On va pas te revenir à tour. Et voilà, et je pense qu'elle est là, la boucle positive, c'est que c'est qu'il y a un peu de feedback de la part de ces gens-là, quoi. D'accord. Et concrètement, dans la famille, est-ce que tu as des initiatives comme ça que tu commences à voir qui se multiplient Oui et non. Dur. On rêve de faire des choses dans la diversité. On a beaucoup de mal. J'espère vraiment aller sur Zit The Family, regarder les vidéos qu'on a produites. Écrivez-nous et même si vous partez du niveau moins 100, on vous répondra jusqu'à ce que vous soyez à zéro. Nous, on prend les gens à zéro et commence souvent à moins 100. Pour arriver à 1, en fait. mais le sujet, c'est que on n'a pas envie de faire une opération spéciale banlieue. Ils ne méritent pas ça. Ce qu'ils méritent, c'est de prendre tout le contenu qu'on a fait, tout le machin, comprendre dans leur tête que c'est possible, se donner à fond. Et postuler, être pris à The Family et être traité comme les autres, moi j'en ai rien à foutre d'où viennent les gens. Bien sûr. La seule chose que je veux, c'est d'avoir le sentiment que les gens veulent toujours plus en fait. Et c'est cette culture de l'excellence qui est importante. Absolument. Et cette culture d'excellence, elle peut naître n'importe où. Absolument. Ben, merci beaucoup Oussama de nous avoir accueillis et pour toutes ces explications qui, j'espère, vraiment nous développera et suscitera plein de vocations. Moi, j'espère aussi. Et augmentera les ambitions de chacun. Merci. Et en tout cas, tous mes vœux de réussite. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.